Bonjour à tout le monde, bienvenue sur le nouveau webinaire du Leaders Club. Vous voyez, comme toujours, nous sommes présents. Malgré la crise, malgré les difficultés rencontrées les uns les autres, nous nous réjouissons par avance des prochaines semaines et de ces réouvertures progressives. Alors, l'idée d'aujourd'hui, ce n'est pas de parler de la réouverture, mais des fonds de commerce. Pour ce faire, je vais déjà laisser la parole à Jonathan Jablonski, président du Leaders Club France, qui co-animera cette session. Jonathan, merci. À toi. Merci Frédéric. Bonjour les leaders, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Et comme dit Frédéric, on sent que c'est bientôt le bout du tunnel. On arrive enfin et ce sujet qu'on entend depuis maintenant très longtemps, c'est sur les fonds de commerce, sur les loyers. Est-ce qu'il faut les payer, pas les payer? En fait, on se met en temps à la place du restaurateur qui se dit, bah, moi, on m'a fermé mon restaurant ou mes restaurants, pourquoi est-ce que je paierais mon loyer? On se met à la place du bailleur qui, lui, de l'autre côté, ben, a fait ses investissements, que ce soit un gros ou un petit bailleur, qui peut en vivre, ou en tout cas, il y a des rentrées d'argent et c'est super important. Donc, on fait appel aujourd'hui à des experts. On est ensemble jusqu'à 16h30. Et du coup, bah, pour les experts, on aura la chance d'avoir Paul Fedel qui est rédacteur en chef de Snacking Magazine. On a Charles Marinakis qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Donc, on va avoir une petite vidéo très sympa entre Léa Benzimra et donc Charles, qui est le directeur général de Century 21. On enchaînera avec Stéphanie Ingold qui est avocat associé chez Gouache. Vous voyez que des belles pointures. Et Marc Wimbert, donc, qui est fondateur de MW Conseil et qui nous donnera aussi pas mal de conseils, comme sa société l'indique, sur tout ça. Frédéric, tu peux continuer avec les restaurateurs? Nous, l'idée, c'est qu'on ne s'intéresse pas seulement aux champs qui font aux conseils, mais aussi à nos amis restaurateurs. Leaders Club est avant tout une association de restaurateurs. Donc, nous nous intéresserons au retour d'expérience des restaurateurs, de Didier Touboul, qui est directeur général de Pepperico, qui va nous expliquer comment il est en train de faire évoluer sa stratégie de développement. Et un petit nouveau dans nos activités, qui est Anton Soulier, le fondateur de Taster, alors qu'il nous expliquera que ce n'est pas une dark kitchen, mais c'est, enfin, on a compris comme ça, nous, qui nous expliquera pourquoi l'emplacement numéro un n'est plus une priorité pour lui. Donc, quelque part, c'est peut-être le coup de pied dans la fourmilière, le début d'autre chose. Donc, voilà. Alors, très, très vite, si vous êtes d'accord, nous rentrons dans le vif du sujet. Donc, je vais demander à Paul Fedel, le rédacteur en chef de snacking.fr, un des leaders de la place en matière d'information, de la presse food service et partenaire presse du leader presse du Leaders Club France, de nous parler. Ça y est, t'arrives, peut-être plus en plus net. C'est parfait. Bon. Donc, Paul, c'est à toi. Bonjour à tous. Heureux d'être parmi vous pour introduire 7h30 d'échange en compagnie d'une brochette d'experts venus partager donc la notion de fonds de commerce et des impacts de la crise. Alors, d'aucuns diront que c'est une année folle que nous venons de traverser, qui a mis donc à dure épreuve nos métiers de la restauration, mais aussi toute l'industrie hôtelière et son écosystème. Entre le premier confinement, une libération estivale, un second confinement, puis un troisième, assorti de couvre-feu à géométrie variable. Le bout du tunnel, comme l'a dit Jonathan tout à l'heure, n'est plus très loin, avec une ouverture des terrasses qui est programmée et confirmée pour le 19 mai à 50%, comme l'a dit Jean Castex dans Le Parisien hier, avant l'ouverture des salles le 9 juin, à jauge réduite, et avant la libération totale, on l'espère en tout cas, le 30 juin. Est-ce pour autant la fin du calvaire? Certains observateurs craignent l'hécatombe lorsque la mer va se retirer. Des soutiens massifs de la part du gouvernement ont maintenu sous perfusion bien des commerces et installé des situations en trompe-l'œil, ce qu'il faut bien noter. Preuve en est, le nombre de faillites enregistrées en 2020 a atteint un record à la baisse jamais égalé. Donc, qu'en sera-t-il demain lorsque la machine de l'État et les banques vont se remettre plus clairement en route pour réclamer impôts, loyers, remboursement de PGE face à une activité incertaine et limitée? Le pire pour certains est peut-être devant nous, c'est ce qu'on craint. Après cette année noire qui a bousculé bien des modèles, accéléré bien des pratiques et modifié bien des comportements, jusqu'à rebattre complètement les cartes de la géographie, du repas et de la consommation, entre le domicile et le hors-domicile, voire sur les lieux de travel retail, gare et aéroport ou dans les centres commerciaux, mais surtout aussi face à l'assèchement des zones d'activité, l'augmentation du télétravail et les nouvelles pratiques alimentaires. De quoi s'interroger légitimement sur la notion même de fonds de commerce et de droit au bail et sur leur modèle, tout comme sur la valorisation fondée sur un chiffre d'affaires et un résultat d'exploitation. Il faut dire que le cru 2020 ne reflète
ne reflète pas aucunement les valeurs réelles de nombreux biens et de loyers afférents. Pire, certaines zones d'affaires partiellement désertées posent la question du retour ou pas de la clientèle. Quid des loyers parfois élevés, négociés avant crise, sur la base du trafic qui n'existe plus pour l'instant ou qui ne seront peut-être plus les mêmes demain? Quid des négociations pour les mois à venir et des clauses de renonciation pour cause de pandémie ou de confinement? L'avis de nos experts sur ces points sera précieux. Il faut reconnaître que la brutalité et la violence du début de la crise et du premier confinement ont fait vaciller bien des modèles, même du commerce, la logique des flux, la nouvelle réalité des zones d'activité avec la mise en place du télétravail et pour la première fois, comme on l'a tous constaté, un blackout total sur certains types de commerces dits non essentiels, dont la restauration avec service à table, les cafés, les brasseries. Lorsqu'on regarde dans le rétroviseur, et Dieu sait ce que snacking.fr s'en est fait largement le relais tout au long de ces 15 mois, la tension est vite montée entre les professionnels contraints à fermer pour raisons administratives, même si la VAE et la livraison étaient encore autorisées, et les bailleurs de type grande foncière qui ont été intransigeantes sur les paiements des loyers, ce qui leur a valu une volée de bois vert d'un certain nombre de fédérations de commerce et des principaux syndicats pour réclamer un partage de l'effort. Si des accords de gré à gré ont permis à certains de trouver des aménagements de remboursement, voire des annulations de loyers, on a bien senti qu'il y avait un bras de fer qui s'était engagé par de nombreux réseaux dans les premières semaines et les mois qui ont suivi. Pour mes mots, la filiale française de la chaîne belge Exki s'est mise en redressement judiciaire en janvier dernier, justement, disait-elle, pour forcer les négociations avec les bailleurs. La pression est tombée à la faveur de négociations individuelles et de gestes consentis, mais aussi sous la pression du gouvernement, faut bien le rappeler. Cet épisode douloureux dans les rapports commerciaux n'a pas manqué de replacer sur le devant de la scène la notion même de fonds de commerce que beaucoup souhaitent voir modifiée. Certains experts à qui on a donné la parole dans les premières semaines de la crise sur snacking.fr avançaient une situation cataclysmique, en prédisant même la disparition de cette notion de fonds de commerce, comme nous l'entendons en France, et qui consiste à valoriser l'exploitation d'un commerce à travers des éléments incorporels, donc de type clientèle, non commercial, personnel, droit au bail, comme corporel, comme le matériel, les infrastructures ou encore les stocks. À l'épreuve des événements que nous venons de traverser, qui peut aujourd'hui garantir un flux de clients ou encore, à l'inverse, valoriser une cession de clientèle, qui plus est, avec la montée en puissance de la livraison et des plateformes, seuls propriétaires de la data, ce qu'on leur reproche souvent. Qu'en est-il un an après? On a interrogé, là, pour préparer cette intervention, quelques têtes de réseau qui ont confirmé pour la plupart que les règles qui prévalaient avant la crise n'ont guère évolué à l'heure où on parle, avec des fourchettes de valorisation des fonds de commerce qui s'entendent entre 80 et 120% du chiffre d'affaires ajustable selon les éléments de bilan et de gestion, avec pour période de référence, bien sûr, 2019, mais bon, en considérant aussi qu'ils sont pondérés par l'activité 2020 qu'il ne faut quand même pas oublier. Les codes d'hier restent donc, selon ces restaurateurs, aujourd'hui encore réels, valables. Les bons emplacements numéro un en centre-ville, comme les bons centres commerciaux, restent et resteront fortement valorisés, même avec l'incertitude de demain. En revanche, les bonnes affaires devraient se situer davantage sur des emplacements 1 bis, voire 2, qui risquent d'être plus nombreux à la suite de dépôts de bilan prévisibles qui vont offrir des opportunités à des acteurs de la livraison, comme des dark kitchens, des locaux fermés pour raison de faillite et qui ont toutes les chances d'être proposés, notamment en loyer pur. Ce qui est sûr, en conviennent tous les restaurateurs, c'est que les grandes foncières comme les propriétaires privés ne souhaitent surtout pas changer la valeur faciale de leur loyer, qui, soit dit en passant, pour les groupes cotés, a une importance majeure dans la valorisation globale de leurs actifs. Ceci explique sans doute cela. Pour autant, il existe des marges de manœuvre et de négociation, nous expliquent les restaurateurs qu'on a interrogés. Elles portent sur la progressivité des loyers, sur des franchises de loyers, voire sur une participation aux travaux des propriétaires. Et beaucoup d'entre eux ont actionné ces leviers-là. Pour autant, certaines enseignes, comme nous l'avons écrit dans notre série d'interviews, ont réécrit leur stratégie d'implantation à moyen terme, en se distançant d'un certain nombre de lieux comme les centres commerciaux, le travel retail ou encore les gares et aéroports, qui mettront sans doute un peu de temps à retrouver leur activité d'antan, avec en ligne de mire pour beaucoup d'enseignes, surtout des villes de province qui ont mieux résisté à l'ouragan Covid. Mais elles reconnaissent qu'il n'y a pas de règles
et que tout dépend des agglomérations et de la nature des bailleurs, et bien sûr de l'offre et de la demande. Donc voilà, j'ai fait une brève introduction sur notre vision de ce qui s'est passé sur cette année, sur notre éclairage, en posant un certain nombre de questions et en attendant sans doute des réponses de la part des professionnels, des experts qu'on a autour de la table. Je vais repasser la parole à Jonathan pour qu'il introduise peut-être l'intervenant suivant. Merci en tout cas de m'avoir écouté. Merci Paul, mais en fait la parole n'est pas à moi, elle est à Frédéric, mon ami. Vu la brillante intervention de Paul, ça méritait les félicitations d'au moins deux présidents et vice-présidents. Paul, tu as été comme d'habitude particulièrement percutant et brillant. Je n'ai pas le temps de te poser de questions. Évidemment, on a plein de questions qui... On en posera tout à l'heure à la fin. On l'a perdu d'ailleurs. Important de regarder sur la droite, vous avez... Oui, non mais alors j'y viens. Il en a perdu Paul d'ailleurs. Il est là. Ah oui, il est là. Paul, je poserai une question tout à l'heure. Alors, d'ici là, en attendant, je vous propose de vous soumettre un sondage pour avoir un peu l'état d'esprit des personnes nombreuses présentes à ce webinaire. Donc, allez voir sur votre ordinateur, sur votre fenêtre, en haut à gauche, vous avez une petite flèche qui va tirer vers la droite. Vous cliquez dessus, vous arrivez à différentes icônes, dont une qui est sondage. Je vous propose de cliquer dessus. Et donc, est-ce que tout le monde là, c'est bon? Et donc, de vous soumettre un sondage aujourd'hui, en réel, qui est quelle stratégie envisagez-vous vis-à-vis de votre fonds de commerce et votre activité pour les prochaines semaines. 4 réponses possibles. La première qui est reprendre mon activité avec le même fonds de commerce, vendre mon fonds de commerce, faire évoluer mon bail commercial, renégocier le loyer de mon bail. Évidemment, plusieurs réponses sont possibles. Et donc, ce que je vous propose, c'est que je vais vous demander de revoter, si c'est clair pour tout le monde, dans quelques secondes. Et vous aurez 20 secondes pour voter. Ce n'est pas très compliqué comme question. Et on regardera les résultats ensemble. Ça nous donnera un petit peu d'éléments à la conversation. Et peut-être que Paul commentera avec moi pendant quelques minutes. Allez-y. Donc, vous avez 20 secondes pour voter. C'est parti. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est terminé. C'est terminé. Tout le monde a voté. Donc, Laetitia, est-ce que tu peux nous sortir les résultats? Vous avez vu, je n'ai pas donné le 13 comme la NASA. J'ai découvert ça en assistant à un lancement. Un jour, à Cabaneral, il ne donne pas le 13 dans les comptes à rebours. Oui, ça porte malheur. Oui. C'est pour ça que je l'ai omis. En fait, quand on dit, donc c'est une seconde de moins. Voilà. Tu as les résultats en direct, regarde, sur sondage. Tu as 50% qui souhaitent renégocier le bail, 27% qui veut reprendre son activité avec le même fonds de commerce, 23% qui aimerait faire évoluer le bail commercial, et personne ne souhaite vendre son fonds de commerce, donc ça, c'est plutôt très positif. Tu les vois où? Oui, bon, d'accord. Le sondage. Ben oui, mais ils n'apparaissent pas. Bon, c'est pas grave. Ah oui, ça y est. D'accord. Donc, effectivement, par contre, il y a 50% des gens qui veulent renégocier leur bail. Oui, c'est normal. Leur loyer, pardon. C'est assez vertigineux, puisque comme tout un business model, et ça, on laissera la parole après à nos amis commerciaux et à mettre une gold, mais c'est assez impressionnant. Donc, ce que je propose, pour ne pas perdre de temps, parce que pour l'instant, on est parfaitement dans les timings, c'est de te laisser la parole à Jonathan pour que tu parles de M. Marinakis. Oui, écoutez, le premier expert, c'était Charles Marinakis, qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui, mais on a une vidéo à vous faire partager. Donc, pour info, Charles est directeur général de Century 21. C'est un partenaire du Leaders Club de très longue date. On l'écoute. Je te laisse. Laetitia, tu t'envoies la vidéo? Merci beaucoup d'être parmi nous, Charles. Vous êtes directeur de Century 21 France, partenaire historique du Leaders Club France. Vous avez longtemps accompagné les professionnels du secteur Horeca et vous continuez de le faire sur la question du commerce, la valorisation des fonds de commerce et en particulier du CHR. Le marché, comme vous me l'avez expliqué, est ralenti depuis un an. Les restaurateurs se posent beaucoup de questions sur la valeur de leurs fonds de commerce suite à cette crise. La première question que je voudrais vous poser, c'est quels conseils pouvez-vous leur donner en vue de la réouverture?
D'abord, je suis ravi d'être là. En deux secondes, effectivement, moi, j'étais partenaire du Leaders Club depuis des années, parce que ce sont des gens extrêmement dynamiques et qui d'ailleurs continuent de l'être. Et ils ont une capacité créatrice conceptuellement par rapport à la restauration qui, moi, m'a toujours impressionné. Voilà, j'aimerais avoir ce talent, je ne l'ai pas. Pour le coup, j'ai la chance de les accompagner. Et c'est pour mon plus grand plaisir. Je crois que malheureusement, la période de Covid, ou peut-être heureusement, si j'avais déjà une recommandation à faire, ce serait de dire c'est peut-être le moment pour eux de faire un vrai bilan. Avant la réouverture, de faire un bilan à la fois personnel, professionnel et économique, c'est-à-dire personnel, c'est eu égard à cette période que je viens de traverser, est-ce qu'à titre personnel, j'ai envie de continuer cette activité ou pas ? C'est déjà un vrai choix, parce qu'il y a aussi des gens qui, pour des raisons diverses et variées, de départ à la retraite ou de saturation, peuvent imaginer demain arrêter cette activité à plus ou moins long terme. La deuxième question, c'est est-ce que professionnellement, j'ai envie ou est-ce que j'ai les moyens structurels de continuer à le faire ? Enfin, la dernière chose, c'est est-ce que j'ai économiquement les moyens de le faire ? Malheureusement, c'est aussi une vraie question. Les périodes vont arriver, des périodes de remboursement de PGE pour ceux qui en ont bénéficié, aussi de même si on a eu un accompagnement significatif économiquement, les périodes de réouverture vont aussi probablement s'accompagner de la limitation de cet accompagnement financier. Et il faudra aussi se poser cette question. Donc, je pense qu'il faut qu'ils fassent d'abord un premier bilan, de dire voilà où j'en suis à cette sortie de période de Covid. Moi, j'ai envie de continuer, ça me plaît, ce métier, je veux le faire, c'est mon métier historique, je continue. Est-ce que professionnellement, mon outil de travail est en ordre ? Est-ce que mes effectifs, mes équipes sont en place ? Est-ce que je peux repartir aussi facilement que j'ai fermé ? Alors, je caricature un peu en disant ça, mais si je suis dans ce contexte-là, parfait. Puis, est-ce qu'économiquement, j'ai la possibilité de redémarrer et en tout cas de relancer mon activité pour quelques mois maintenant ? Voilà, je crois qu'il faut commencer par ce bilan-là. Il ne faut pas se tromper dans le choix du bilan parce qu'en fait… Il ne faudrait pas se retrouver au milieu du gué en difficulté. C'est uniquement pour cette question-là, si vous voulez, que je leur suggère de faire ce bilan en toute connaissance des causes et en toute objectivité pour repartir de manière extrêmement saine et sereine. Voilà. Ok, super. Merci beaucoup. La deuxième question que je voulais vous poser, c'est sur quels éléments allez-vous baser l'estimation du fonds de commerce dans ce contexte ? Ah, ça, c'est une sacrée bonne question pour le coup. C'est très difficile. C'est inédit pour nous, cette situation, parce qu'on a l'habitude, évidemment, d'estimer la valeur des fonds de commerce sur les bilans, c'est-à-dire sur l'indice d'activité, sur leur volume d'activité. Bien sûr, aussi sur leur qualité intrinsèque, c'est-à-dire la taille des établissements, le loyer, la situation locative, le nombre de places assises, terrasse ou pas de terrasse, licence 4, pas de licence 4, etc. Donc, plein de critères d'évaluation, mais malgré tout, l'épine dorsale, c'est quand même le bilan et le volume d'activité. Alors, on est privé de cet indicateur de valorisation qui nous fait défaut pour l'année 2020. Donc, je crois qu'on va la mettre purement et simplement entre parenthèses. Je crois qu'il faut être lucide par rapport à ça. Il faudra mettre entre parenthèses la totalité de l'exercice de l'année 2020 qui n'est pas représentative de ce qui est capable de générer un établissement de CHR. Et puis, pour 2021, on prendra l'activité des 6 derniers mois, puis on regardera un peu ce qui s'est passé. C'est aussi pour ça que je vous dis que ce bilan précédent, qui était la réponse à la première question, il est important parce que de la décision de continuer ou pas va dépendre aussi de la décision de valoriser le fonds ou de mettre en vente ou de ne pas mettre en vente. Et du coup, si on met en vente typiquement dès la réouverture, il faut être lucide, il faudra mécaniquement ajuster le prix, si vous voulez. Celui qui veut tirer la quintessence de son établissement aujourd'hui, nécessairement, il faut qu'il patiente au minimum 6 à 18 mois, si vous voulez, pour se reconstruire un bilan exploitable pour une session. Parce que bien sûr, on va partir d'un indice qui sera celui de 2019, où on va avoir malgré tout une photographie de ce qui s'est passé en 2019. Mais 2019, ça commence à faire long maintenant, ça fait longtemps, 2019. On est quasiment 18 mois se sont écoulés. Autant si on avait pu encore continuer à exploiter dans le premier semestre 2020, on aurait pu faire abstraction des premiers mois de fermeture et dire, eh bien, on va faire une évaluation sur le bilan 2019. Eh bien, ça peut servir de base, mais ça ne peut plus servir que de base à l'évaluation du fonds aujourd'hui. Donc, il y a évidemment un établissement qui faisait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2019 ne peut plus rien valoir aujourd'hui sous prétexte qu'il a été fermé. Ce n'est évidemment pas ça le sujet. Mais il faudra que celles et ceux qui veulent tirer la quintessence du prix de leur établissement, eh bien, ils continuent à l'exploiter au minimum 18 mois. Ça veut dire en fait refaire un bilan complet post-Covid pour avoir une analyse financière sur 12 mois glissants. Allez, on va dire 12 mois sur 12 mois glissants. Voilà. Sinon, il faudra corriger le prix. Moi, je ne dis pas baisser le prix parce qu'encore une fois,
les choses ont gardé leur valeur intrinsèquement. Et paradoxalement, dans la psychologie des gens, les fonds de commerce de CHI ont presque plus de valeur aujourd'hui, nous en tant manqué qu'avant. Avant, il y avait pléthore d'offres, on pouvait changer de restaurant, de bar, etc. Aujourd'hui, on sait que ça a de la valeur parce que ça nous a tellement manqué qu'on ne peut pas vivre sans eux. Donc, c'est une valeur subjective qui a augmenté pendant cette période de Covid. Voilà. Donc, il ne s'agit pas de rogner le prix des fonds de commerce, bien au contraire. Après, il faut être objectif parce que vous savez que nous en faisons l'évaluation, mais nous avons aussi la contrainte bancaire derrière. À quoi servirait-il de fixer un prix qui, de toute façon, ne serait pas finançable ou financé ? Ça n'a pas de sens. Quand on veut faire une transaction, il faut trouver un prix équitable. Et je crois que notre travail, ce sera de trouver un prix équitable entre l'avenir du fonds de commerce, que le dirigeant a envie d'en faire, et ce qu'il est possible aujourd'hui de financer dans un marché bancaire qui est quand même, lui aussi, très perturbé par la période Covid. Et là, c'est vrai que vous êtes surtout mis du côté des vendeurs, mais comment conseiller les futurs acheteurs ? Je crois qu'il faut mettre en garde les acheteurs sur une idée reçue ou préconçue qui se révèle être entièrement fausse et qui d'ailleurs est la conséquence directe de ce que je viens de dire sur la valeur des fonds. D'abord, il faut qu'ils se sortent de l'esprit que parce que le Covid est passé par là, rien ne vaut plus rien. Voilà, les fonds de commerce ont gardé leur valeur intrinsèquement. Encore une fois, il y aura nécessairement des réajustements de prix, mais il faut que les acquéreurs n'imaginent pas une seconde demain qu'ils vont pouvoir acheter la moitié de Paris pour zéro parce que les gens sont restés fermés, que leurs bilans sont dégradés. Non, les fonds de commerce vont se reconstituer, l'activité va renaître. Dit-on d'ailleurs, même d'ailleurs encore, avec encore plus de vigueur en ces beaux jours, avec ces terrasses ouvertes, on va retrouver des chiffres d'affaires, de la volumétrie, donc le fonds va incontestablement se reconstituer. Donc, je pense qu'il faut déjà tordre le cou à cette idée préconçue que les fonds ne valent plus rien. C'est faux, ils ont conservé leur valeur. Que deuxièmement, beaucoup de fonds vont être en difficulté et qu'on va retrouver beaucoup d'affaires en liquidation judiciaire qu'on va racheter pour rien ou quasiment rien. Et une dixième idée préconçue à laquelle on peut tordre le cou, parce qu'aujourd'hui, le volume des procédures collectives a baissé de 50%. Grâce aux aides d'ailleurs, grâce au fonds de solidarité et à l'accompagnement qui a été fait aux établissements de CHR, beaucoup d'entre eux ne sont pas en difficulté. Voilà, donc il faut corriger le tir d'un point de vue des acquéreurs. Après, il y aura forcément des opportunités parce que, encore une fois, saturation, décision de quitter l'activité, décision de quitter les grandes villes aussi, choix de vie personnelle. On en revient, Léa, à ce premier bilan qu'il faut faire. Voilà, c'est celui qui veut vendre demain, mais il devra faire une concession sur le prix. Incontestablement. Voilà, donc les acquéreurs auront des opportunités, mais c'est des opportunités relatives. Je crois qu'il faut qu'ils gardent bien présent à l'esprit que les fonds de commerce garderont leur valorisation. Voilà. Après, c'est aussi peut-être le moyen pour celles et ceux qui ont des velléités de croissance de saisir les opportunités que le marché générera naturellement. Si vous voulez. Mais c'est les vendeurs qui décideront de ce que devient une opportunité ou de ce qui ne l'est pas, et pas forcément la mécanique de marché. D'accord. Et l'autre question que je voulais vous poser, c'est bien sûr, au-delà de l'Île-de-France, quelles autres régions peuvent offrir selon vous un dynamisme de reprise ? Toutes les autres, en fait. mais oui, mais tout le monde veut avoir un bout de verdure, aller à la campagne, etc. Vous avez vu, pendant la période de confinement, tout le monde a quitté Paris. Allez, Paris, c'est vide. C'est dommage que les terrasses ne soient pas ouvertes, ça aurait été fun, on aurait pu profiter des terrasses. Cette migration-là, si vous voulez, aujourd'hui, elle ne s'est pas encore territorialisée. Le principe est acquis. C'est vrai que des gens ont appris au travers du télétravail de se délocaliser assez facilement. Donc, on peut imaginer que certaines zones en province, certaines régions vont être un peu prises d'assaut ou dynamisées par ce besoin d'oxygénation qui est né post-Covid. Impossible de vous dire aujourd'hui s'il y a une région qui est devenue plus attractive qu'une autre. Je pense que la grande banlieue parisienne va redevenir attractive. Probablement aussi des villes qui sont mécaniquement à une heure de Paris, vous voyez, parce que c'est assez facile de venir travailler sur Paris ou en région parisienne. Et puis, les régions qui ont toujours été attractives, comme la région PACA, par exemple, qui reste une région attractive. Et si je devais citer une région, je pense que la Bretagne a une bonne carte à jouer. C'est paradoxal ce que je vous dis là, mais j'ai l'impression que la Bretagne a une bonne carte à jouer. J'ai le sentiment que cette région-là est en train de se dynamiser. Des villes comme Nantes, Rennes, c'est 2 heures de TGV, c'est pas très loin de Paris. Voilà. Mais franchement, c'est pour vous faire plaisir que je vous donne une région, parce que c'est assez difficile aujourd'hui d'établir une cartographie de la migration professionnelle. Voilà.
Et puis après, ça dépend des activités. Voilà. Merci beaucoup, Charles, de votre intervention. Et on vous dit, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci, Léa. Merci à mes amis du Leader Club des Jeunes. Je n'ai pas pu être avec vous. Je crois que c'est le 11. Hein, je ne serai pas avec vous. Jonathan, merci pour l'invitation. Toujours à votre disposition. Bon courage. Et bon courage. La vraie vie reprend le 15 mai, normalement, si tout va bien. Merci, Léa. Merci, à bientôt. Bon, bah c'est super. Merci beaucoup à Charles d'avoir bien voulu participer à cette vidéo, super intéressante et plutôt finalement rassurante, puisque on voit bien que là on parlait, je pense, surtout des fonds de commerce numéro 1, mais tu vois, Didier, tu vas pas pouvoir racheter tout Paris encore, calme-toi. Mais en tout cas, il y aura des opportunités, comme le dit Charles. Et aussi très important, c'est vrai qu'il y a beaucoup de business à faire en région, Reims, Dijon, Nantes, etc. Il y a beaucoup de choses à faire et il y aura des opportunités. Frédéric, ouais. je relève quand même ce qu'a dit Charles Marinaki, c'est une espèce de période de latence qui d'ailleurs va accompagner. Enfin, j'ai l'impression qu'on va avoir une espèce de descente de glaciation, qu'on est un peu dans un permafrost et que les choses vont se dégeler lentement, parce qu'il a dit qu'il fallait attendre 6 à 8 mois, si bien entendu. Avant que les choses retrouvent un certain équilibre, c'est sûr que ce ne va pas être le moment ni de vendre ni d'acheter tant qu'on ne sait pas vers où va l'activité. Moi, je vais prendre le relais avec Stéphane Ingold, qui est avocat associé chez Gouache Avocat. Merci d'être parmi nous, Stéphane. Vous êtes expert en droit immobilier, vous avez toujours évolué dans l'immobilier d'entreprise. Depuis 2018, vous dirigez la société Retail Places sous la marque Gouache Avocat pour gérer les problématiques de fonds de commerce et de baux commerciaux. Vous êtes spécialisé en franchise, particulièrement auprès des restaurateurs pendant cette crise. Nous avons entendu plusieurs fois certains de vos confrères. Donc, cher maître, que pensez-vous de la situation et des fonds de commerce ? J'ai envie de reprendre les conclusions de votre sondage, qui sont assez parlantes, hein, et qui confirment ce que vient de dire notre premier intervenant. Vendre son fonds de commerce aujourd'hui, c'est pas la première des choses à faire. La première des choses à faire, c'est renégocier. Et la plupart des membres du leader sont probablement agis en ce sens-là. Il convient de renégocier le loyer du bail commercial. C'est le quotidien aujourd'hui de notre activité au cabinet. Renégocier son loyer, c'est négocier l'annulation, obtenir des abandons, des franchises de loyer pour les périodes de fermeture administrative, c'est obtenir des remises partielles pour les activités qui ont pu reprendre dans le cadre de la vente à emporter, de la vente à livrer, et puis renégocier, c'est anticiper l'avenir, c'est obtenir une révision à la baisse de son loyer. Alors, au cabinet, on a négocié, hein, des abandons en tenant compte de la période juridiquement protégée. Aujourd'hui, il me semble que les restaurateurs sont encore en position de force pour pouvoir négocier leur loyer. Pourquoi ? Parce qu'ils bénéficient d'un dispositif protecteur qui a été mis en place dès le 14 novembre dernier. L'article 14 de cette loi interdit aux bailleurs de mettre en place tout type de sanctions, de voie d'exécution forcée, les bailleurs ne peuvent pas aller rechercher la clause résolutoire. Et ceci pendant 2 mois après la levée des mesures administratives. Sachez qu'il y a de la jurisprudence qui est venue préciser ce que c'est qu'une mesure de police administrative. Ce n'est pas simplement la mesure de fermeture, c'est aussi la mesure qui affecte la vie du restaurateur, qui affecte son quotidien. Autrement dit, les restaurateurs vont encore bénéficier de ce dispositif protecteur à partir du 19 mai. Car le 19 mai, seules les terrasses seront ouvertes. Et puis, à partir du 9 juin, seule une partie des salles de restaurant pourront être ouvertes au public. Donc, c'est la fameuse jauge. Donc, vous êtes encore en position de force. Les adhérents du Leaders Club peuvent encore négocier tout en bénéficiant de ce régime protecteur. Ce régime protecteur peuvent en bénéficier un certain nombre
de restaurateurs dès lors que les effectifs sont inférieurs à 250 salariés. Hein, ce sont les critères qui sont visés en bas de la slide qui est sous vos yeux. Dès lors que le montant du chiffre d'affaires constaté est inférieur à 50 millions d'euros hein, par rapport aux années précédentes et dès lors que la perte de chiffre d'affaires est d'au moins 50%. Lorsque négocier, c'est négocier en fonction du droit qui évolue en permanence hein, et donc il convient d'être particulièrement bien informé des dispositifs qui sont mis en place. Vous le savez, le dernier dispositif, c'est celui du décret du 29 octobre hein, qui a mis en place ce troisième confinement dit numéro 3. Et il conviendra donc de tenir compte, comme je viens de vous le dire, des nouvelles réglementations à compter du 19 et du 19 juin. Alors, ça doit se traduire comment hein, dans le cadre de vos négociations? Eh bien, ça sera traduire par la proposition du paiement du loyer, car il est important de faire preuve de bonne foi, et d'un paiement partiel en tenant compte de ce que l'activité peut être partiellement maintenue. La jurisprudence, les restaurateurs le savent peut-être, exige, et la jurisprudence dès les premiers mois du Covid, notamment celle du juge des référés de Paris, est venue préciser que les parties doivent se comporter de bonne foi. Et sur un plan technique, ça veut dire que les parties doivent proposer des modalités d'adaptation hein, de leurs obligations respectives. Et les négociateurs qui sont présents aujourd'hui savent bien qu'il est essentiel de faire montre d'une certaine loyauté et qu'il convient donc de proposer de façon très concrète à son bailleur des modifications d'exécution des obligations du bail. D'accord. Alors, Maître Ingol, quelles sont les problématiques actuelles et futures de vos clients? Alors, au-delà, c'est vraiment la renégociation. Aujourd'hui, nos clients nous missionnent pour mandater, pour négocier le loyer. Alors, négocier le loyer, comme je vous l'indiquais en introduction, c'est négocier les franchises, des abandons de loyer, à raison des périodes de fermeture administrative, mais c'est aussi négocier la révision à la baisse du loyer, et ceci sur des fondements plus classiques du droit des baux commerciaux. C'est la slide que nous avons sous les yeux, sur le fondement de l'article L145-38 du Code de commerce. Alors, vous le savez probablement, vous pouvez négocier en allant voir votre bailleur, en utilisant une démonstration qui serait basée sur le taux d'effort. Le chiffre d'affaires a été évidemment impacté pendant cette période et la plupart d'entre vous sont allés expliquer au bailleur que le taux d'effort ne vous permet pas aujourd'hui de régler votre loyer. Cependant, le taux d'effort n'est pas un critère code de commerce. Il n'est pas un critère qui est prévu dans les dispositions du statut des baux commerciaux. Et donc, à mon sens, c'est un critère qui doit être mis en avant. La plupart aujourd'hui des experts judiciaires et même devant les juges, lorsqu'on va tenter d'obtenir la négociation d'un loyer, on utilise ce taux d'effort. Mais ce taux d'effort n'est pas un critère juridique. Donc, il n'est pas un critère très significatif, il n'est pas un levier, à mon sens, suffisant. Le bon levier aujourd'hui, c'est le levier de l'article L145-38 du Code de commerce. Cet article vous permet aux restaurateurs d'aller rechercher un loyer à la baisse, dès lors que trois conditions au moins sont réunies. La première, un loyer qui a au moins plus de 3 ans, qui a été fixé il y a au moins 3 ans. La deuxième condition, c'est que la valeur locative doit être inférieure à ce loyer. Donc, il convient de prendre la température, d'obtenir l'avis d'un expert judiciaire sur cette valeur locative pour vérifier si le loyer est déconnecté de cette valeur locative. Et bien entendu, le marché est actuellement baissier. Les restaurateurs ont vécu le mouvement des Gilets jaunes, ils ont vécu les grèves. Et aujourd'hui, et depuis un an, ils vivent la crise sanitaire. Donc, de façon générale,
hein, sauf certaines exceptions, les valeurs locatives sont plutôt à la baisse. Troisième condition pour aller rechercher une révision de votre loyer à la baisse, c'est la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité. La jurisprudence exprime et illustre cette modification matérielle par les travaux qui auraient pu être réalisés dans le secteur avoisinant de votre emplacement. En période de crise, cette modification matérielle s'illustre aussi, pourrait être illustrée par la vacance qui va devenir de plus en plus nombreuse, très probablement dans les mois qui viennent, lorsque les commerçants ne seront plus sous perfusion et ne seront plus accompagnés par l'État. Autrement dit, les restaurateurs vont bénéficier, et bénéficient d'ores et déjà, d'une fenêtre de tir qui va leur permettre d'aller rechercher des loyers à la baisse. Et il me semble que la bataille qui doit être livrée aujourd'hui par les restaurateurs, c'est d'abord celle de la révision légale, peut-être même avant celle des abandons ou des franchises de loyers. Car à partir du moment où vous obtenez une baisse de votre loyer, dans le cadre de cette révision légale, eh bien, elle sera définitive jusqu'à la fin de votre bail et tout au long de la durée du bail. Donc les économies à obtenir pourraient être très significatives. Et tout l'enjeu pour les restaurateurs, c'est d'agir au bon moment. La question du timing est essentielle, car dès lors que votre proposition, votre demande de révision est adressée à votre bailleur, eh bien, le nouveau loyer sera dû à compter de cette demande. Donc, il ne faut pas trop tarder et il faut donc préparer le terrain en s'entourant de l'avis d'experts sur la valeur locative pour décocher la flèche au bon moment, pour arrêter le compteur et pouvoir obtenir un nouveau loyer révisé à la baisse jusqu'à la fin de la vie du bail. Non, maître, dernière question. Le click and collect s'est fortement développé ces derniers mois. Comment peut-on encadrer juridiquement le maintien de cette activité à la réouverture? Parce qu'on a l'impression que pour l'instant, c'est un petit peu la forêt vierge et la loi de la jungle. Oui, alors la crise a au moins une vertu, c'est qu'elle a permis de développer des nouveaux modes de consommation et elle a permis aux restaurateurs d'imaginer hein, de nouvelles façons de développer leur activité avec le fameux click and collect, la vente à emporter, la vente à livrer. Cependant, toutes les clauses destination de vos baux n'expriment pas toujours la possibilité de développer cette activité de click and collect. Et alors se pose une question pour tous les restaurateurs que vous êtes, c'est savoir si il est opportun ou pas, eh bien, de toquer à la porte du bailleur pour lui demander l'autorisation d'exercer cette activité dans l'éventualité où l'activité de click and collect ne serait pas incluse ou comprise dans votre clause destination. Et la question qui se pose, c'est celle de la déspécialisation hein, qui est organisée par un article du Code de commerce, c'est l'article L145-47 du Code de commerce, et qui oblige le locataire qui aimerait donc exercer une activité qui n'est pas prévue à sa clause destination, eh bien, qui l'oblige à notifier son intention d'exploiter une activité connexe ou une activité dite complémentaire. Voilà. Alors ça, c'est une vraie question, à mon sens, qui devra être posée dans les jours qui viennent, car les bailleurs pourraient revenir vers vous, revenir vers les preneurs et tenter de les sanctionner ou tenter de les menacer d'une sanction en leur disant « Attendez, vous avez développé Click & Collect, mais ce n'est pas autorisé au terme de votre bail. » Donc, il convient de s'organiser, il convient d'anticiper ces éventuelles actions des bailleurs qui pourraient aussi, dans le cadre de vos négociations, d'ailleurs, se placer sur ce terrain-là. La recommandation qui est la plus sage, c'est évidemment
d'agir auprès des bailleurs et de leur demander l'autorisation. Cependant, sachez-le, la jurisprudence est en train de bouger. Donc le juge, lui aussi, grâce à la crise, est en train d'évoluer. Car le juge, pendant de très nombreuses années, considérait que l'activité de click and collect n'était pas incluse dans l'activité de restauration. Et ça, c'est une jurisprudence ancienne qui date depuis 2001. Vous verrez, il est précisé, il est mentionné dans la slide que vous avez sous les yeux, un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 23 mai 2001. Et très clairement, il y a encore quelques années, le juge considérait que la vente à emporter est exclue de l'activité de restauration. Sachez qu'au tout début de l'année, en février, cette même Cour d'appel de Paris, dans un arrêt très intéressant, a considéré au contraire que l'activité de vente à emporter est incluse dans l'activité de restauration. Donc ceci va évidemment dans le bon sens. Le juge prend en considération l'évolution des activités des restaurants et ceci devrait faciliter et aller dans le sens des restaurateurs dans les mois qui viennent. Ok. Merci beaucoup, Maître Ingol. Merci, cher Stéphane. C'est très précis. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser à Stéphane Ingol sur le chat de notre webinaire ou même plus tard. C'était très enrichissant. Je vais repasser la parole à Jonathan pour la suite du programme. Merci, Frédéric. Merci, Stéphane. Merci à tous. Merci. Ouais. Et on posera des questions tout à l'heure, parce qu'on a pas mal de questions là, sur la droite de l'écran. D'ailleurs, si vous voulez poser vous des questions, allez-y, on y répondra tout à l'heure pendant une petite demi-heure. On continue avec un deuxième expert, qui est Marc Weinberg, qui est fondateur de MW Conseil. Donc Marc, après 11 ans passé chez Apsis à un très haut niveau, tu as décidé de te lancer et d'accompagner des enseignes en tant que directeur immobilier externalisé. Tu te présentes en deux mots. Ouvre ton micro. Avec, je pense que c'est bon. Super, vas-y. Avec plaisir, merci Jonathan. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai une vingtaine d'années d'expérience en immobilier de commerce. J'ai été en effet chez Apsis pendant 12 ans, donc plutôt côté foncière. Personne n'est parfait. Et pendant près de 12 ans, j'étais chez Apsis, d'abord directeur commercial pour faire manager toute la commercialisation des projets. Et puis, en tant que directeur général pendant 5 ans. Avant ça, j'étais directeur commercial de la SCC, Société des Centres Commerciaux. Et avant ça encore, pendant 5 ans, j'étais broker chez JLL. Donc, j'ai souhaité mettre à profit mes 20 années d'expérience et de relations entre les locataires et la foncière que je représentais pour créer MW Conseil. Et MW Conseil, c'est un cabinet qui a pour mission de proposer des services de direction immobilière externalisée. Il y a des chaînes, des indépendants ou des franchisés qui n'ont pas le besoin, l'envie ou les moyens d'avoir quelqu'un en intégré et pourtant qui ont les mêmes problématiques immobilières que les grosses chaînes, hein, gérer un bail, comment négocier un renouvellement, est-ce qu'on doit arbitrer un point de vente et est-ce le bon moment et à quel prix, et la stratégie de développement également. Donc je propose tous ces services sur toute la France, parce que j'ai une expertise surtout nationale. Et si je suis avec vous aujourd'hui, c'est que c'est un hasard, c'est pas une volonté particulière, mais depuis 2 ans et demi que j'ai créé ce cabinet, j'ai près de 95% de mes clients qui sont des restaurateurs, dans des activités différentes, qui se déploient sur des secteurs d'actifs différents. Et donc, je voulais vous partager mon retour d'expérience de cette dernière année en tant qu'opérationnel dans la relation bailleur-locataire. D'accord. Alors, à ce sujet, justement, est-ce que tu peux nous dire un peu comment se sont passées généralement tes négociations de loyer Covid avec les bailleurs depuis un an? Alors, très rapidement, j'ai évoqué avec mes clients que faut pas généraliser le terme bailleur. Un bailleur, c'est pas forcément un banquier derrière qui attend la manne. On a plusieurs cas et plusieurs typologies de bailleurs. On a des indépendants, ça peut être vous. Vous pouvez être propriétaire d'un local commercial ou une personne qui, en fin de carrière, a acheté un local commercial pour avoir une retraite complémentaire. Ces gens-là n'ont pas les mêmes problématiques, vous imaginez, qu'une foncière familiale plus importante ou une foncière institutionnelle comme une banque ou une assurance.
ils n'ont pas les mêmes ressources, ils n'ont pas les mêmes contraintes. Donc, aller évoquer avec une stratégie généralisée la politique Covid avec ces gens-là, pour moi, ce n'était pas la bonne chose à faire. J'expliquais surtout à mes clients restaurateurs qu'il fallait avoir une vision de ce deal qui allait être perdant-perdant. Il n'y a pas de gagnant de la situation à la sortie du Covid. Les locataires avaient tous un réflexe, c'était de dire « moi, j'ai fait zéro chiffre d'affaires, ben, je vous préviens, zéro loyer ». Et puis, les bailleurs en face disaient « ah ben, moi, c'est simple, hein, le loyer, il est dû, donc au mieux, je vous l'étale. Pour reprendre ce que Stéphane disait, je vais faire une proposition de bonne foi, je vais le mensualiser, je vais l'étaler, mais il est dû ». Et puis, on a une période d'inertie après le 2T de l'année dernière, le deuxième trimestre de fermeture, où les positions ne se rejoignaient pas. Il y avait vraiment un rapport de force entre les parties. L'été a permis la réouverture des restaurants, il y a eu la trésorerie qui est arrivée, et puis les foncières ont commencé à avoir des problématiques de recouvrement et ont rapidement compris qu'il fallait avoir une écoute auprès de leurs commerçants. Et moi, je vais vous dire, j'ai eu près d'une trentaine de négociations au cas par cas. Pourquoi au cas par cas? Parce que chaque enseigne a une problématique différente sur chaque site. Vous pouvez être en pied d'immeuble et en même temps avoir un bailleur qui est dans un centre de retail park ou en centre commercial avec qui vous négociez un renouvellement. Et donc, les deux ne sont pas liés, mais pourtant, c'est le même interlocuteur en face. Donc, comment vous allez gérer ça si vous ne faites pas des deals au cas par cas? J'ai fait une trentaine de deals au cas par cas. Dans la plupart des deals, le loyer du deuxième trimestre a été annulé avec des contreparties. Parce qu'il fallait que les bailleurs puissent expliquer à leur banque qu'à desquelles elles allaient avoir une baisse de revenus en face, les banques qui finançaient les opérations, qu'elles avaient obtenu des contreparties. Alors, les contreparties, c'était parfois on allait allonger la durée du bail, ou on allait renoncer à la faculté de sortir à la prochaine triennale, donc où on allait négocier un autre site ou négocier un renouvellement en parallèle. En tous les cas, il y a eu une bienveillance des deux parties pour essayer de trouver un accord global. Et le 2T a généralement été annulé. Je vous dis généralement parce que sur la trentaine de négociations que j'ai menées, il y en a trois uniquement qui, pour le 2T, qui n'ont pas encore abouti. Et là, on est dans le cadre de bailleurs indépendants qui ont besoin de ces ressources pour leur quotidien. Et ils n'ont pas lâché du report, en fait, du paiement de cette dette et non pas l'annulation. Là, je parle de trois cas en province, en pied d'immeuble. Tout le reste a été dealé. Globalement, 90% de tes clients sont plutôt dans des centres commerciaux, donc ont affaire à des, enfin, t'as eu affaire à des grosses foncières ou des institutionnels. La question, c'est quel a été l'impact en fait sur la valeur locative et la position des bailleurs sur ce sujet. Et pour reprendre un peu ce que disait tout à l'heure Charles Marinakis, où on peut voir en centre-ville. Ce qui se passe, est-ce que tu penses que dans les centres commerciaux, tu vas avoir des évolutions de loyer ou on va attendre que ça reprenne et on verra bien quoi. Ouais, il y a une typologie d'actifs dans le retail qui est totalement différente. Je dis juste deux mots sur la fin des négos, c'est important peut-être pour ceux qui seraient encore en cours. Il faut savoir que novembre, généralement, a été annulé. Pourquoi? Parce que les bailleurs bénéficiaient du crédit d'impôt proposé par le gouvernement. Mmh. Et pour le mois de décembre 2020, les négos sont toujours en cours parce que certains bailleurs considèrent que vous avez fait pas mal de chiffres avec le click and collect ou la livraison et donc ils estiment que vous devez payer les loyers. Donc, il y a des estimations, quel est le pourcentage de baisse et en fonction de ça, quel est le pourcentage de baisse de loyer que vous pourriez avoir. Donc, ça, c'est pour clôturer 2020 et 2021, tout le monde est un peu suspendu à l'évolution des aides qui seront faites sur les loyers et il n'y a aucun deal qui a été acté pour moi, en tous les cas, auprès de la trentaine de négos que j'ai en cours, sur 2021, c'est l'attentisme le plus complet. Pour reprendre ta question sur l'impact sur les valeurs locatives, en effet, il faut savoir que dans le commerce, on a trois typologies d'actifs. On a les centres commerciaux, les centres-villes et la périphérie. Alors, si je commence par les centres-villes, pour reprendre un peu ce que disait Charles et Laetitia, tu peux nous montrer une des deux slides. Sur les centres-villes, il faut savoir que il y a eu énormément de développement de vacances locatives sur les endroits à gros loyers et sur les endroits à clientèle axée autour des bureaux et du tourisme. Le slide d'avant, vous avez l'avenue Victor Hugo, que j'ai pris il y a trois jours,
uniquement des numéros 0 à 30. Pour ceux qui sont à Paris, l'avenue Victor Hugo, elle est à côté de l'étoile. Voici le nombre de panneaux que vous avez. C'est incroyable sur cette avenue, qui était une avenue extrêmement dynamique il y a encore 2 ans. Si je passe au slide suivant, dans le quartier Madeleine Opéra, encore à Paris, vous avez un nombre de locaux prime incroyable, avenue des, boulevard des Italiens, boulevard de Capucines, avec des panneaux alloués et qui restent avec des négociations qui sont en stand-by. Pourquoi ? Parce que les bailleurs sont encore sur des loyers d'avant Covid et puis des enseignes qui se disent « moi, à cet endroit-là, avant que ça reparte, je ne mettrai pas le prix ». Donc, il y a une inertie sur, sur ces sites-là. On a la même chose sur les Champs-Élysées. Depuis quand on avait de la vacance locative sur les Champs-Élysées ? Au contraire, les prix évoluaient toujours à la hausse sur la plus belle avenue du monde. Et sur le slide suivant, on commence maintenant à voir des panneaux alloués sur les Champs-Élysées, ce qui n'a jamais existé. Tout ça pour vous dire que dans la classe d'actifs des centres-villes, très clairement sur les artères commerçantes, on a une baisse de 20-25% des valeurs locatives sur Paris. Pour échanger pas mal avec des brokers sur Lyon, on est sur 15-20%. Et en province, sur des villes moyennes, on est plutôt à 10%. Ça, c'est ce qui se passe sur les centres-villes. Si on parle des centres commerciaux, les bailleurs de centres commerciaux considèrent et continuent à considérer que leurs actifs sont des valeurs refuge. Et vous avez X millions de visiteurs par an et que tout ceci n'est qu'une parenthèse. On l'a bien vu, hein, pendant la période des grèves et la période des gilets jaunes, il n'y a aucun bailleur qui a voulu faire un effort sur cette période-là, considérant que c'était une petite parenthèse par rapport à la manne que généraient en chiffre d'affaires ces sites. En revanche, les locaux qui étaient vacants dans les centres commerciaux majeurs et qui ont été commercialisés l'année dernière ont pour moi tous été commercialisés avec une baisse de valeur locative de 10 à 20%, notamment dans la restauration. On voit la fin de programme sur Lyon-Pardieu, d'Unibail. Il y avait quelques locaux vacants. On sait très bien, et à juste titre, que ce qui a été signé au deuxième semestre 2020 ne peut être comparé en rien avec les valeurs qui avaient été signées en 2018 et 2019. C'est longue guerre et je sais que tous les asset managers de Centreco luttent avec les commercialisateurs pour essayer d'avoir des valeurs ajustées. Pour l'instant, les choses ne sont pas encore actées, mais vraisemblablement après les réouvertures, en fonction de l'évolution du footfall, c'est-à-dire du flux dans les centres co, il y aura des évolutions de valeur locative sur les locaux vacants, ça c'est certain. Et dans les centres commerciaux moyens, je vais prendre un centre commercial de périphérie, la galerie Pouscadi avec son hypermarché, les locaux vacants, là, ne sont quasiment pas loués, sauf auprès d'indépendants qui voulaient développer un concept lambda sur leur zone de chalandise, mais il y a eu beaucoup de difficultés à louer les sites numéro 2 dans les centres co. Et si je parle des retail parks, ou tout ce qu'on peut appeler la périphérie de manière plus générale, cette classe d'actifs a bénéficié en fait des mesures du gouvernement de fermer les centres commerciaux. C'est-à-dire que les centres commerciaux étaient fermés, mais les retail parks, qui sont des centres commerciaux à ciel ouvert, étaient ouverts au public. Et il y a eu une augmentation de la fréquentation incroyable. La clientèle s'est aperçue qu'il y avait une qualité d'accueil et d'expérience client dans ces nouveaux sites qui était très appréciable. Et les chiffres d'affaires étaient là. Donc, le chiffre d'affaires étant là, la fréquentation étant là, sur les sites de périphérie, je généralise encore mon propos, vous n'avez pas eu de baisse de valeur locative. Et d'ailleurs, les projets qui sont en train de se commercialiser en ce moment en périphérie, en retail park, les valeurs tiennent par rapport au centre-ville ou par rapport aux centres commerciaux. Donc là, je vous donnais un périmètre pour le commerce d'une manière générale. Maintenant, ce qui va vous intéresser, c'est la restauration. Est-ce qu'on peut se dire que la restauration, il y a une baisse des valeurs locatives ? Comme le disait Charles dans son intervention, il y a eu très peu de transactions en 2020. Pourquoi ? Parce que déjà, en sortant du 2T, tout le monde a réouvert. Et comme on a eu une inertie pour les négociations de loyer Covid, il y a eu une inertie dans les transactions. Les restaurateurs se disaient « moi, je vais acheter des trucs à la casse ». Et les bailleurs ou les cédants, les restaurateurs qui voulaient céder leur fonds de commerce, se disaient « non, moi, je sais ce que je fais comme chiffre d'affaires sur cet emplacement ».
Je faisais 1,2 million, on ne va pas m'en proposer 400 000, je ne vais pas me faire humilier. Donc, il y a une inertie, il y a eu très peu de transactions sur les mois qui ont suivi Covid. Il faut savoir qu'avec les aides, toutes les stratégies personnelles de fermeture ont été reportées. C'est également ce que disait Charles en disant ce sera la période du bilan. Il y a peut-être des gens qui, au mois de juin, juillet, ont décidé d'arrêter, mais les aides arrivant, se sont dit, bon, je vais continuer à prendre les aides. Et puis, au moment où je vais devoir réouvrir, je me poserai la question. Est-ce que les salariés vont continuer à être là? Est-ce que mon projet personnel va poursuivre? Donc, il y a eu très peu d'emplacements sur le marché. Je parlais avec beaucoup de brokers. Les brokers me disaient, bon, en ce moment, on fait plus de l'investissement que de la vente de fonds. Parce que vente de fonds, on n'a pas beaucoup de locaux. Je te mets juste en garde parce qu'on est très en retard. Donc, vas-y, va okay. Je conclue, désolé. Il y aura mais je suis désolé. Non, je parle trop. En revanche, les locaux qui ont de la valeur ajoutée, vous avez une licence 4, vous avez une extraction et qui sont en loyer pur, là, les transactions qu'il y a eu, les loyers ont tenu. En revanche, les locaux sans valeur ajoutée, eux, les loyers n'ont pas tenu et ça a été compliqué. Et quand je parle de demain, forcément demain, on ne sait pas où on va atterrir parce que on va voir après le 19 mai qui va réouvrir. Moi, j'ai des négociations avec des foncières sur des emplacements. Ils me disent, en fait, on ne sait pas si le restaurateur va revenir ou pas. Est-ce que ce local sera disponible ou pas? Avant Covid, il toussait un peu, donc on ne connaît pas l'avenir. Ça, je me permets, parce que t'as une même triple problématique, c'est parce que tu vas avoir effectivement les problèmes financiers, mais derrière, tu as aussi les problèmes humains, où il y a énormément de restaurateurs qui ont perdu leur chef, qui ont perdu leur personnel, et qui ne savent pas s'ils vont pouvoir réouvrir. Ça, c'est un autre problème, c'est une autre problématique, on en parle. Exactement, donc pour voir l'impact que ça va avoir sur les valeurs, il va falloir attendre de voir ce qu'on aura sur le marché. Aujourd'hui, en effet, il y a 50% en moins de procédures judiciaires. Donc, il y a très peu de dossiers et d'opportunités sur ce cœur de business. Mais ça va arriver certainement d'ici la fin de l'année, début d'année prochaine. En revanche, les locaux sans valeur ajoutée, ceux qui ont été impactés par Internet. Il y a beaucoup de locaux qui, aujourd'hui, impactés par Internet, vont devoir fermer. Des restaurateurs qui n'ont pas d'extraction, pas de licence 4, qui vont fermer. Ces locaux-là, il y aura une forte baisse des valeurs locatives. Ceux qui ont de la valeur ajoutée avec des emplacements et des extractions, pour moi, on continuera à avoir de la valeur et on continuera à avoir de la valeur de fonds de commerce sur ces sites. Merci beaucoup, Marc. Merci pour tes lunettes. Merci. Je vais promets de faire une transition en revenant à mon évolution biologique et finalement écologique. On est dans une espèce de permafrost, hein, vous savez, ce froid permanent qui avait recouvert la moitié de l'Europe jusqu'à moins de 15 000 ans avant Jésus-Christ. Et finalement, quand ça s'est réchauffé, il y a pas mal d'espèces qui ont disparu, qui étaient spécialisées dans le froid. Au contraire, il y a des espèces qui n'ont pas survécu au froid. Et on en connaît un certain nombre. Donc j'espère que certains restaurateurs ne sont pas aussi fragiles que les mammouths qui n'ont pas résisté au réchauffement. Néanmoins, comme pendant le réchauffement, pendant le permafrost, sont apparus des nouveaux... si je suis provocateur des virus ou alors des petites bêtes, hein, les puces sont émergées de la dernière glaciation. Et donc, je me tourne vers Antoine Soulier, fondateur de Tester, qui finalement sont des gens qui ont bénéficié de cette glace, de ce permafrost. Monsieur Frédéric, si je me permets juste, mais tu as oublié Didier Tougoul. C'était Didier. Mais c'est pas grave, tu fais comme ça. Je suis trompé, je voulais parler de Didier. Je m'étais dit que tu gardais le meilleur pour la fin, mais bon, c'est pas grave, mais... ça sera en ton. Excuse-moi, donc Didier, ça ne va pas changer parce que justement, on va avant que la puce. Ça, au niveau de la coupe de cheveux, il y a un air. Hein, tu peux voir. Mais... donc, je vais passer la parole à Didier Tougoul, qui est cofondateur et directeur général de Pepperico. Merci d'être parmi nous. Vous êtes commerçant depuis 3 générations en bijouterie. Peut-être vous allez y retourner bientôt. En tout cas, tu t'es reconverti en restauration en 2014, donc il y a quelques temps, avec l'ouverture d'une franchise Factory & Co. Vous savez, les rois du bagel et d'autres choses maintenant. Et depuis 2017, tu as cofondé et tu développes Pepperico. Tu es installé, pour l'instant, tu coches toutes les mauvaises cases, hein, puisque tu es installé à La Défense, au centre commercial de plaisir, à Vélizy, bientôt à La Part-Dieu. Si on a écouté ce qui a été dit précédemment, tu mises sur la banlieue et la région, et je pense que tu as raison. Alors, première question,
pourquoi, peux-tu nous rappeler en quelques mots ce que c'est que le concept Pepperico et pourquoi ces choix d'implantation qui, finalement, il y a un an, semblaient terriblement peu sexy? Alors, déjà, bonjour et merci de m'accueillir. Alors, Pepperico est sorti de l'idée de Jonathan Jablonski, qui avait depuis très longtemps envie de faire un Mexicain en France. Et quand je me suis franchisé chez Factory & Co., quelques années après, un local en face du mien s'est libéré. Et j'ai dit à John, faut qu'on l'exploite, ça sert à rien de le laisser à la concurrence. La défense, tout est bon à la défense, viens, on fait quelque chose. Il nous a dit, j'ai un projet de Mexicain, Californien-Mexicain. On l'a cofondé, on l'a créé ensemble, on l'a mis en place. L'idée d'être en face de Factory, c'était de mutualiser les coûts, de nous permettre d'avoir deux restaurants l'un à côté de l'autre complètement différents, mais avec la même stratégie, essayer de travailler autant le matin, l'après-midi, le midi et le soir, et de justement pouvoir avoir cette jauge avec Factory, de savoir si on avait une baisse de chiffre, pourquoi, est-ce que c'était la zone, et donc un peu de gérer complètement au mieux le flux, de le connaître et d'avoir les deux restaurants l'un en face de l'autre. Une fois que celui-ci s'est lancé, qu'on a pu tester le produit avec la clientèle, on a réajusté les produits, on voulait vraiment du fait maison, donc on a pris le temps de répondre aux besoins de la clientèle. On s'est dit, il faut voir si le concept est duplicable. Pour le dupliquer, il faut aller dans le même endroit, mais ailleurs, et voir si c'est juste parce qu'on est à la défense et qu'il y a un flux, alors qu'il y avait un flux avant la crise constante le midi. Donc on a dupliqué ce concept-là dans un autre centre commercial assez important, qui est de Vélizy, pour voir si encore une fois, on arrivait à répondre à la demande. On a réussi notre pari, on va dire, puisque les chiffres étaient là, on avait la fréquentation nécessaire. Et ensuite, on s'est dit, bon, maintenant qu'on arrive à le faire, est-ce qu'on est capable de franchiser quelqu'un et donc de vendre notre concept et d'apprendre à quelqu'un à faire ce projet-là? Donc, on a décidé de faire toujours dans le même lieu parce qu'on ne voulait pas avoir plusieurs variantes qui arrivent, se dire on est parti en centre-ville, donc c'est peut-être le centre-ville qui a pêché ou c'est peut-être nous qui n'étions pas bons en franchise. Donc, on est resté toujours dans des centres commerciaux. On a été à plaisir. Ça a très bien démarré, mais après le Covid, donc forcément, on a connu un arrêt après brutal, mais je pense que ça va continuer à bien fonctionner. Et ensuite, on s'est dit, maintenant qu'on a fait tout ça, est-ce qu'en province, ça va fonctionner? Donc, on s'est dit, on va aller voir toujours dans le même contexte, un centre commercial assez important. Donc, on va aller à Lyon et on est en train de s'implanter à Lyon. D'accord. Alors, comment la crise a fait évoluer ta stratégie de développement? Est-ce que tu en as déjà tiré des leçons ou tu attends encore un petit peu? Alors, il y a plusieurs choses qui nous ont fait évoluer. C'est que les centres de province, jusqu'à présent, on les regardait, on était surtout concentrés sur les gros centres parisiens ou régions parisiennes. Aujourd'hui, je m'aperçois que, par exemple, Vélizy a mieux réagi à l'après-Covid, après le premier Covid, que la Défense. Parce que les gens étaient en télétravail près de chez eux. Et donc, comme ils étaient, on va dire, 5 jours par semaine en plus chez eux, le midi, ils allaient manger dans le centre commercial près de chez eux. Donc, on avait toute cette clientèle qui était à domicile, qui venait manger dans les centres commerciaux. Donc, je pense que les centres commerciaux de province vont prendre un peu plus de part de marché et avec le télétravail, avec les gens qui ont envie de se mettre au vert. Donc, ça nous a fait un peu plus regarder les centres de province. Et ensuite, dans notre idée de nous implanter à Paris, dans un centre-ville, avec un CAPEX plus petit, aujourd'hui, on est en train d'y réfléchir. Parce que, comme disait Marc Wimbert, c'est que la valeur des baux est en train de changer. Donc, on est en train de voir ce qui se passe. Et puis, surtout, on ne veut pas prendre le risque d'un troisième confinement ou quatrième. Et parce qu'aussi, on regarde les dark kitchens et cette nouvelle, on va dire, commercialisation des produits par Internet et par la livraison. D'accord. Alors, comment vous négociez vos baux actuellement? Par un seul biais, Marc Wimbert. aujourd'hui, on cherche... On a pris le meilleur, on a pris Marc Wimbert, on s'est dit, il va bien... On va nous faire une crise pendant le webinaire. Pour préciser que ça n'était pas préparé. Bien sûr. Non, mais en vrai, nous, aujourd'hui, on cherche des baux commerciaux, surtout dans les centres. Marc a cette relation avec les bailleurs. Nous aussi, on l'a en direct avec eux. Donc, ils nous proposent des emplacements. Sauf que, pour être très transparent, moi, je suis commerçant de plusieurs générations. Mes parents étaient bijoutiers. Mes grands-parents étaient bijoutiers. On a fait plusieurs métiers. On n'y connaît pas grand-chose en droit. Et puis surtout, il y a des,
il y a des relations avec les bailleurs. Je pense que c'est bien d'avoir un tampon entre les deux qui va nous permettre de... Marc va nous dire ça, on ne peut pas l'accepter, ça, on peut l'accepter, ça, vous êtes obligé de l'accepter. Et il sait où mettre les curseurs et pour que le deal soit juste pour tout le monde et pour qu'on prenne le moindre risque et que le bailleur s'y retrouve et que nous aussi. D'accord. Donc, si je retiens bien la solution, c'est d'avoir un tampon, Marc Wimbert, et un expert pour rédiger les contrats. Exactement. Stéphane Ingold pour fâcher personne. Alors, je me reprends. Stéphane Ingold est spécialisé dans le droit, on va dire, de la franchise, de tout. Pour l'instant, heureusement, on n'en a pas encore eu besoin. On n'a pas eu de conflit avec les bailleurs. Si on a un vrai conflit, je pense qu'on fera appel à lui, c'est sûr et certain. Tu te rattrapes bien. Ouais, c'est bien. Jonathan, c'est à toi. Non, bah, écoute, merci Didier, merci Frédéric. Et, juste pour rappel, donc Stéphane fait un peu la même chose que Marc, mais dans des univers différents et beaucoup plus juridiques. Et Marc est spécialisé donc avec les grosses frontières, comme on le rappelait tout à l'heure, juste pour que tout le monde comprenne bien. On continue cette fois-ci avec de la dark kitchen ou je ne sais pas, restaurant digital. Anton Soulier, t'as créé Tester. Moi, je connais quelques-unes de tes marques qu'on s'est livrées au bureau, qui sont plutôt sympathique et du coup donc t'as eu l'ingéniosité finalement de dire bah finalement ces marques digitales je vais les licencier à l'étranger et raconte-nous un peu tout ça et comment ça fonctionne. C'est super intéressant, bravo en tout cas. Merci, bonjour à tous. Bon, c'est vrai que j'étais chez Deliveroo au tout début de l'aventure, donc j'étais un petit peu un insider de ce qui se passait sur toute la partie livraison. J'ai rejoint Deliveroo en 2014, donc au tout début de l'aventure. Je suis venu à Paris pour lancer Deliveroo à Paris. Je suis resté à peu près 2 ans et j'ai fini directeur général adjoint France. Et en fait, je me suis aperçu, j'ai travaillé avec beaucoup de chaînes de restauration, j'ai fait beaucoup d'expansions et je me suis aperçu qu'il y avait des restaurants qui faisaient 60-70% de leur chiffre d'affaires déjà à l'époque en livraison. Et en fait, je me suis dit, mais la prochaine chaîne de restauration sera une chaîne digitale en fait. Et au lieu finalement de faire de la livraison une seconde pensée, de me dire bon bah ça va être quelque chose en plus, je me suis dit je vais créer des marques complètement pensées autour de l'expérience, autour de la livraison, donc essayer de travailler avec des chefs, essayer de travailler avec un menu qui permette de convertir rapidement avec un bon price point, avec un super packaging, travailler sur tout un tas de process opérationnels aussi qui nous permettent de préparer vite. Et bien évidemment, j'avais toute la connaissance des plateformes de livraison, donc je me suis dit je vais essayer de travailler pour faire en sorte d'être le meilleur possible sur les algorithmes, etc. Et donc, on a créé la première marque qui s'appelle Mission Saigon. C'est peut-être une marque que tu te fais livrer au bureau. C'est pas celle-là. Oui, Outfry. Voilà, bon, en tout cas, on a commencé avec Mission Saigon. Et finalement, on s'est dit, OK, on a une super marque, on a une super carte. On avait testé dans un laboratoire. Et finalement, en fait, la partie immobilière est venue un petit peu... après, en disant bon ben en fait nous il faut que le loyer finalement il soit le plus faible possible et on n'a pas du tout envie de payer un pas de porte ou quoi que ce soit parce qu'en fait nous notre pas de porte c'est internet, nous notre pas de porte c'est les plateformes de livraison. Et finalement on a eu une approche qu'on a continué depuis 2017 qui était finalement de trouver des emplacements je dirais numéro 2, mais en fait on n'a jamais payé de pas de porte, on a toujours privilégié des locations pures. On a toujours, et pourtant des locations pures avec des loyers assez raisonnables, avec des extractions, etc. On a vraiment transformé ces espaces en cuisine laboratoire. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, c'est Tester 1.0. On a grossi énormément, on s'est lancé dans plusieurs villes européennes comme Madrid et Londres. Mais en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a été approché, et on a eu un peu une réflexion de se dire, c'est quoi la franchise, c'est quoi la nouvelle génération aussi de franchise, ça va être une franchise qui va peut-être potentiellement, finalement, non pas recréer des espaces ou l'immobilier, mais plutôt travailler avec des restaurateurs existants pour justement les aider à tirer profit de leurs espaces. Donc en fait, ça a été un petit peu, une évolution qu'on avait prévue depuis très longtemps, et deux aussi, on a été approché clairement par beaucoup de restaurateurs qui nous ont dit, moi aujourd'hui, j'arrive pas forcément à tirer profit de la livraison parce que les 30% c'est trop cher, j'ai un loyer qui est tant, j'ai des staff costs, etc. qui sont à ce niveau-là. Et finalement, on les a aidés
on a licencié finalement nos marques, donc Mission Saigon, Outfry et A-Burgers, à des restaurants existants, en les aidant en fait à tirer profit de ce marché-là et vraiment en essayant de les aider avec une vraie approche de conseil sur leur P&L, sur leur business plan. Et nous, notre modèle, alors je dis pas qu'il, je pense qu'il n'y a pas forcément de conflit entre pas de porte ou pas de porte. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une nouvelle génération de restaurants qui sont des restaurants digitaux. Donc nous, en tout cas, on pense être précurseurs sur ce modèle-là, où finalement le pas de porte n'a pas de sens en fait, n'a pas vraiment de sens. Donc je pense qu'il y a vraiment, et encore une fois, ce modèle-là n'est pas en conflit avec la restauration traditionnelle. Si aujourd'hui vous me disiez voilà, est-ce que tu dois lancer un restaurant, un gros restaurant type une grosse pizzeria, clairement je prendrais un pas de porte, je prendrais un emplacement numéro 1. Là aujourd'hui, quand on est plus sur un modèle street food fast casual chain, les modèles effectivement avec des pas de porte n'ont pas forcément voilà de légitimité. Donc nous, ça a vraiment été notre mindset. Aujourd'hui, on a 5 points de, on a en propre, on a 5 cuisines dans Paris, aucun pas de porte, on a toujours pour donner quelques ratios, notre ratio loyer sur chiffre d'affaires est aux alentours de 3-5%, ce qui est assez faible. Et c'est quelque chose qu'on conseille aussi à tous nos réseaux de partenaires restaurateurs. Et aujourd'hui, on en a une trentaine entre la France et l'Angleterre, et on en ouvre après une ou deux par semaine en ce moment. Donc ça va très vite. Si on fait un parallèle entre la restauration commerciale classique et le restaurant digital, évidemment, est-ce qu'on peut dire que le fonds de commerce, c'est ton loyer, petit loyer, parce que entre 3 et 5% de taux d'effort, c'est ridicule hein, par rapport à ce qu'on peut avoir en centre commerciaux. Donc, est-ce qu'on peut dire que finalement, ton loyer, c'est ça, plus ton budget com, tu l'intègres dedans, tu vois, et ta décoration, tout ce que tu pourras mettre dans la décoration de ton restaurant, finalement, c'est ton packaging. Exactement, tu as tout compris. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en gros, on peut pas. Enfin, il y a un moment donné, il faut quand même. Tout le monde sait que le taux de livraison est grosso modo autour de 30%. On sait très bien que. Si on ajoute les 30% à un loyer sur chiffre d'affaires qui a... Arrête, entre nous, tu ne payes pas 30%, toi. Sinon, tu n'as pas été DG de chez Deliveroo. Régale-nous. Ah, bah, malheureusement, je n'ai pas eu de passe-droit, mais bon, c'est on pourra refaire un club sur le sujet. Je pourrais en discuter pendant une heure, mais bon. D'accord. En soi, on a... Voilà, c'est exactement ça. C'est que nous, notre marketing, c'est pas l'emplacement. C'est la commission qu'on paye d'une certaine manière, c'est tout le travail. C'est du Jacob, Instagram, machin. Exactement, absolument. Tout à fait. D'accord. Est-ce que dans ta stratégie, tu te dis qu'il y a certaines de tes marques, aujourd'hui, il y en a quoi? Il y en a 3, c'est ça? Alors, on en a 5 et on est en licence aujourd'hui 3. Ok. Est-ce qu'il y a certaines marques qui cartonneraient ou demain, tu te dis, celle-là, je vais les développer en dur, finalement, en réel, dans des centres commerciaux ou. Voilà. Tout le monde sait que j'aime pas le terme dark kitchen parce que voilà, encore une fois, c'est nous déjà nos cuisines, elles ont toujours été hybrides. Donc bon voilà, peut-être que vous êtes passé tout devant, on en a dans le centre de Paris, on a des façades. Beaucoup de nos licenciés aujourd'hui font aussi du click and collect, voire de la vente à emporter. Donc nous, on n'est pas du tout obsédé par le fait d'avoir des espaces complètement dédiés uniquement à la livraison. Et d'ailleurs, c'est pas forcément quelque chose qu'on conseille parce qu'on pense que c'est toujours bien de faire un petit peu d'emporter aussi. Ça permet de ne pas payer de commission de plateforme. Et puis, c'est toujours bien d'avoir une interaction avec le client. Ça permet de créer une sorte de lien émotionnel avec la marque. Donc, nous, on est complètement… Ce n'est pas une dark kitchen, c'est plutôt une clear kitchen. Alors. Voilà, on peut dire ça comme ça. Mais en tout cas, c'est un modèle hybride. Voilà. Ça, c'est quelque chose, on pense, qui a vraiment beaucoup d'avenir, en tout cas, dans notre sens. OK. Et comment tu définis aujourd'hui ta stratégie d'implantation? Nous, on veut être dans toutes les villes où il y a de la livraison. Donc, c'est pas très compliqué comme stratégie de développement. On est en train d'accélérer énormément. Je rejoins aussi pas mal de personnes qui ont parlé aujourd'hui sur la province. Nous, on voit un énorme potentiel. Donc, j'avais déjà vu chez Deliveroo, mais là, on le ressent aussi. On a lancé Lille, ça cartonne. Rouen, Strasbourg. Strasbourg, voilà, on a lancé il y a une semaine. On faisait 2-3 000 euros de chiffre d'affaires au lancement. Bon, voilà, c'est quand même des villes où il y a un énorme dynamisme, il y a beaucoup, beaucoup de dynamisme. Pour le coup, il y a des loyers beaucoup plus faibles et c'est franchement, c'est vraiment des villes où il y a un potentiel incroyable. Donc, nous, on veut lancer grosso modo les 10-15 plus grosses villes de France en première vague et puis ensuite, on va aller dans des plus petites villes où on sait que même il y a encore du potentiel. Annecy, Limoges, etc. Voilà. D'accord. Et on est entre nous, ton chiffre d'affaires prévisionnel 2021, tu prévois quoi?
Alors, on communique pas sur les chiffres d'affaires, mais voilà, on pense à peu près x3 par rapport à 2020, qui était une année. Et donc en 2020, ça fait quoi? Attends, je prends ma calculette. Non, voilà, on a fait une très bonne année 2020 et 2021, voilà, avec un gros plan d'expansion va beaucoup accélérer. Merci beaucoup. On va avoir des questions à poser par la suite. Fred, tu as vu, je pense qu'il va falloir créer une nouvelle catégorie pour les fans de la restauration. Ça sera le restaurant digital. Moi, j'ai une petite conclusion, quand même, petite question, conclusion à faire. Si j'écoute tout le monde, je vois quand même ce qu'a dit Anton, c'est peut-être la fin du fonds de commerce tel qu'il existait dans le système latin, parce qu'on est finalement un pays où c'est un peu une exception. Est-ce qu'on ne va pas vers des choses un peu plus hybrides? Parce que finalement, les dark kitchen, clear kitchen, enfin les modèles hybrides inventés par Anton et ses confrères poussent à autre chose. On va voir qu'il y aura une espèce de rationalisation du marché. Comme je l'avais dit il y a un an, je reste persuadé qu'il y avait 10% de restaurants de trop, en particulier à Paris, où il y avait trop d'offres par rapport à la demande et donc une espèce de rationalisation. Est-ce que ça ne va pas passer par la baisse de cette valeur un peu particulière liée d'un système très particulier? Les anglo-saxons ont un key money, un ticket d'entrée qui n'est pas tout à fait la même chose. Est-ce que ça, je ne vais pas rentrer dans le débat juridique, je laisserai éventuellement mettre Ingold rebondir là-dessus, mais moi, en substance, je vais demander à Paul, puisque c'est notre vigie préférée, hein, Paul Fedel. Dans ce contexte, comment envisages-tu la fin d'année, toi? Est-ce qu'il y aura des sessions, une reprise massive, l'essor du restaurant digital, une catastrophe thermonucléaire, une folie totale, des années folles de la restauration? Ça a été très intéressant. Je non pas que je me cacherai derrière ce qu'a dit le directeur général de Century 21, mais j'allais dire que on va laisser une année d'observation se mettre en place, où il y a un certain nombre de réglages qui vont se faire automatiquement, des équilibres qui vont naître et des restaurants qui vont disparaître au regard de l'assèchement des aides et de la vérité du commerce, hein, qui va se révéler. Donc moi, faire des prévisions, j'ai pas la boule magique. De toute manière, quand on a appris aussi à ne plus se projeter au-delà de 2 mois, puisque chaque semaine ou chaque mois, on a des nouvelles qui sont pas toujours très bonnes. Donc là, les perspectives, on va dire que les coins de ciel bleu sont de plus en plus nombreux. Donc on va espérer qu'on aura plus de catastrophes. Donc pour ce qui relève du sujet d'aujourd'hui et de moi, ma perception à l'écoute des spécialistes et puis au regard de ce que j'ai pu entendre par-ci par-là, c'est que il semble que sur les fonds, il n'y aura pas forcément de dévalorisation. Je crois que sans doute il y a certaines zones qui vont rester sous observation. Mais dont les trafics vont revenir à la normale. Je l'évoquais dans l'introduction sur le travel retail, où beaucoup de chaînes m'ont dit pour le moment on n'y retournera pas parce que le modèle à 10, 12, 18 mois n'est pas encore stabilisé au regard des taux d'effort que ça demande et que les touristes vont mettre quand même du temps à retrouver logiquement le chemin de notre pays. Et puis après, ce qui relève de l'abandon du fonds de commerce qu'on avait pu à une époque évoquer, moi j'y crois pas non plus. Je pense que là-dessus on va rester sur nos modèles. Je rebondirai peut-être dans mon analyse en posant la question à la fois à Maître Ingold et à Didier Teboul, en se disant d'une part, pour Didier Teboul, est-ce que finalement la période de friction des 2 premiers mois, il y a eu de réels combats avec les foncières? J'ai cru comprendre quand même que les grandes chaînes comme les vôtres avaient été mises devant un fait accompli. Est-ce que finalement il y a eu des renégociations de loyers opérées à la baisse, ce dont je doute? Et Maître Ingold, je me permettrai de vous rebondir aussi sur une question en vous demandant, est-ce que la valorisation à laquelle vous faisiez référence dans la renégociation des loyers, elle se fonde sur quoi? Parce que finalement aujourd'hui, redonner une valeur à un fonds de commerce au regard des incertitudes, c'est tout à fait compliqué, et il semble que les foncières, comme les propriétaires privés, veulent pas toucher à la valeur faciale, mais davantage à des aménagements.
Si je peux répondre, déjà pour le premier confinement, les bailleurs ont quand même été assez souples. Donc pour l'instant, on décidait de nous offrir la période du premier confinement plus le mois de novembre, et le mois de décembre est en cours de négociation. Mais comme disait Marc Wimbert, aujourd'hui, vraiment, il y a un statu quo. Personne ne veut parler, personne ne veut négocier, personne ne veut rien dire. On n'a pas de relance, on n'a rien sur nos loyers actuels. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il n'y a aucune révision à la baisse de nos loyers. Et je pense que la révision pourra se faire lors du renouvellement du contrat ou pas, et lors du renouvellement du bail. Sauf que ce que disait Maître Stéphane, il disait que il fallait demander à réactualiser le loyer par rapport au loyer des gens d'à côté. Sauf que quand on est dans des centres commerciaux, comme c'est le bailleur qui définit les loyers des gens d'à côté, et qu'au fur et à mesure des années, les loyers augmentent, puisque moi, je suis à la Défense, pour ne citer que cela, et j'ai beaucoup de restaurants qui se sont installés autour de moi. Aujourd'hui, quand je vois la valeur du mètre carré qui paye par rapport à ce que je paye, ils payent beaucoup plus cher que moi aujourd'hui. Et pourtant, moi, je pense que je paye déjà très cher. Donc demain, aller me dire « je vais faire intervenir la justice pour dire « on va renégocier mon loyer » me paraît un peu utopique, dans le sens où ils vont dire « bah non, regardez, autour de chez vous, ils payent tant du mètre carré, vous, vous payez tant, donc vous ne pouvez pas demander de payer encore moins cher ». Donc c'est là où je ne sais pas s'il n'y a pas une limite, et peut-être que M. Stéphane pourra nous répondre. Mais... Oui, alors deux choses sur les renégociations. De façon générale, on a réussi à faire bouger les lignes. Hein, premier confinement, première période de fermeture administrative, moi je vous le confirme, hein, je rejoins ce qu'a pu nous dire Marc. Hein, on a réussi à obtenir des suppressions, des abandons, hein, en jouant sur les notions. Nous, on a fait un peu de droit, hein, vous savez, on a invoqué les notions de force majeure, d'exception d'exécution, et puis celle de la perte de la chose louée, hein, qui est l'argument le plus fort aujourd'hui, hein, puisque le juge, dans des décisions récentes, non seulement le juge des référés, mais surtout le juge du fond, qui est le juge qui n'est pas simplement le juge de l'évidence, hein, donc on a des décisions du juge du fond qui viennent retenir cette notion de perte de la chose louée. C'est-à-dire qu'on assimile la période de fermeture administrative à la situation d'un bien qui serait détruit temporairement, hein, en se fondant sur l'article 1732 du Code civil, que les assureurs connaissent bien et qui gère la chose louée lorsque celle-ci est détruite ou qu'elle fait l'objet d'un incendie, par exemple. Donc, il y a des arguments qui sont très forts et que les bailleurs écoutent, et nous on joue sur ces notions juridiques, et puis sur l'aspect qu'a mis en avant également Marc, sur l'importance de négocier de bonne foi en faisant du perdant-perdant ou du gagnant-gagnant et en jouant sur la contrepartie. L'enjeu, évidemment, c'est de rechercher la contrepartie. Qu'est-ce qui est important pour le bailleur? Et dès lors qu'on identifie dans les relations qu'on a avec dans nos échanges avec le bailleur la contrepartie, eh bien, on arrive à dealer. Mais il faut proposer des contreparties. Donc, il faut s'adapter, et ça, Marc l'a bien exprimé, il faut s'adapter au profil du bailleur que vous avez en face de vous. Donc, nous, on a plutôt pas mal réussi au premier confinement, première période de fermeture administrative. Deuxième période, effectivement, je partage ce qui a été dit, hein, le dispositif du crédit fiscal a incité les bailleurs et les grosses foncières à réagir assez vite. Le troisième confinement, c'est plus compliqué, mais on arrive à mettre en place des négociations avec des pourcentages. Hein, c'est-à-dire qu'on met en place des abandons temporaires jusqu'à l'expiration de la période de fermeture administrative ou jusqu'à l'expiration ou jusqu'à la levée des mesures de police affectant l'activité. Et on le fait très bien dans le domaine de la restauration. Hein, donc dans ce cas-là, on met en place des ventilations, on ventile, enfin des prorata sur le loyer. Donc on paye une partie du loyer en fonction du chiffre d'affaires ou en fonction de la surface exploitée. Hein, c'est-à-dire qu'on peut, ce qui est important au regard de la jurisprudence, c'est le critère de la juste proportion. Et donc on raisonne par rapport aussi on peut raisonner par rapport au chiffre d'affaires ou par rapport à la surface réellement exploitée. Dans vos activités de restaurateur, vous n'utilisez, lorsque vous faites de la vente à emporter ou de la vente à livrer, que la cuisine. Et donc, vous pourriez raisonner en disant, moi, je n'occupe qu'une partie de la surface, donc je vais régler mon loyer parce que je suis un locataire de bonne foi et donc je vais régler une partie de mon loyer de façon proportionnelle. Hein.
à la surface réellement occupée. Donc ça, c'est pour les négociations. Et pour répondre à votre deuxième question sur la valeur locative, peut-être qu'il faut que je fasse une petite précision. Il y a deux valeurs locatives. Il y a la valeur locative de marché. La valeur locative de marché, c'est celle qui correspond au jeu de l'offre et de la demande et qui est celle que connaît bien Marc dans son accompagnement auprès des enseignes. Or, moi, ma valeur locative, c'est moins celle du marché. Ma valeur locative, c'est celle du code de commerce, qu'on appelle la valeur locative statutaire. Et la valeur locative statutaire, elle est mécaniquement, à raison même des dispositions du code de commerce, inférieure à la valeur locative de marché. Alors, la valeur locative de marché, elle a baissé compte tenu de la conjoncture, mais sachez aussi que la valeur locative code de commerce, elle a également baissé. Et dans les centres commerciaux, donc pour rebondir sur ce que disait Didier, oui, il est vrai que les points de référence, ce sont les points de comparaison du centre commercial. Et le centre commercial constitue une unité autonome. Et donc, la marge de manœuvre, elle n'est pas toujours simple, parce que les points de comparaison, oui, ce sont ceux du centre en question. Néanmoins, on va pouvoir appliquer les dispositions du code de commerce et on va pouvoir jouer sur ces différents critères. Et la valeur locative code de commerce, elle est inférieure au marché et donc on peut essayer de jouer sur le fait que les obligations des parties ne sont pas toujours les mêmes, sur le fait que les caractéristiques des locaux ne sont pas toujours les mêmes. On va utiliser dans le panachage des références qui vont être prises en considération pour déterminer cette valeur locative statutaire, on va prendre non seulement les valeurs locatives de marché, c'est-à-dire les valeurs locatives de locaux libres, mais on va prendre aussi les valeurs locatives telles qu'elles ont été déterminées par le juge, quand il y en a eu. Et ces valeurs locatives déterminées par le juge, elles vont tirer à la baisse les valeurs locatives. Voilà. Donc, moi, je pense vraiment qu'il y a des opportunités pour aller chercher des loyers à la baisse, pour les faire fixer à la valeur locative code de commerce sans attendre le renouvellement. Vous avez dit que, selon vous, la seule fenêtre de tir serait le renouvellement. Eh bien, non, il y a aussi la possibilité d'aller chercher ces valeurs locatives à la baisse lors de ce qu'on appelle la révision légale, hein, c'est ce que j'ai essayé de vous exprimer brièvement un peu plus tôt lors de mon intervention, c'est la fameuse révision légale triennale. Tous les 3 ans, vous avez cette possibilité-là. C'est plus difficile dans les centres commerciaux, je suis d'accord avec vous, c'est beaucoup plus facile d'agir sur ce fondement en centre-ville, surtout dans des grandes métropoles comme la ville de Paris, où on sait qu'il y a eu des travaux, généralement, hein, puisque la commune de Paris, la ville de Paris, n'a pas manqué d'imagination ces dernières années. Donc, il y a souvent des modifications matérielles qui se sont traduites par des travaux. Donc, et puis, comme l'a rappelé Marc aussi, hein, dans son exposé, il y a des secteurs et des avenues dans Paris qui commencent à être désertes. La ville du Victor Hugo, c'est incroyable. Et donc, là, très clairement, vous avez de la vacance. Et dès lors qu'il y a de la vacance, eh bien là, vous avez un levier pour vous avez une condition, une des conditions de la révision légale triennale qui est réunie. Donc, dès que vous avez une valeur locative qui baisse, dès que vous avez une modification matérielle, soit de la vacance, soit des travaux, vous avez la possibilité d'aller rechercher une valeur locative. Merci maître. C'est votre enjeu dans les prochains mois. Merci maître. J'ai une question des participants de Nicolas Necker. Je vais poser à Marc Wimbert, qui est, qu'en est-il du financement de ces fonds? Les banques demandent aujourd'hui pratiquement du 50%. Est-ce que ça risque pas de tirer encore les fonds vers le bas? Question de nos participants. Compliqué le sujet du financement des fonds. Pour la plupart des dossiers que j'ai pu traiter depuis l'été dernier, la plupart des gens que j'accompagnais avaient une fin de non-recevoir totale des banques sur tout ce qui concernait la restauration. Quel que soit votre niveau d'apport en fonds propres, 20, 30%, 50, 75%, le principe même d'étudier la reprise d'un fonds de commerce ou une ouverture d'un restaurant était blacklisté par les banques. Certaines ont réouvert les vannes il y a quelques semaines, à peine. D'autres attendent la réouverture pour initier l'étude des dossiers. Ce qui est sûr, c'est qu'il va être demandé, pour ceux qui vont demander des financements rapidement, c'est-à-dire sans attendre d'avoir cette vision de l'évolution du marché,
on va demander des garanties beaucoup plus fortes. Et en effet, on risque de monter à 50% de fonds propres demandés. Et par conséquent, il va y avoir moins d'acteurs présents sur ces rachats des fonds. C'est obligatoire. Et donc, un impact peut-être, en effet, à court terme sur la valeur. Bon, il y a juste une dernière question. En fait, oui. Anton a déjà répondu. C'est une question de Manuel Horteux qui demande si une dark kitchen est rattachée à un fonds de commerce. Non, toi, Anton, tu confirmes que non. Non, pas forcément. Non, il n'y a pas de... Nous, nos fonds de commerce sont tous tasters. On travaille aussi avec des fonds de commerce, des noms des fonds de commerce, etc., qui prennent des licences en plus. Donc, ce n'est pas rattaché. Ok, super. Bon, on va conclure parce qu'on arrive à la fin du webinaire. Ouais. Donc, merci à tout le monde. Merci à tous les intervenants. Merci à Charles d'avoir bien voulu participer à la vidéo. N'hésitez pas à rejoindre le Leaders Club pour ceux qui ne sont pas adhérents du Leaders Club. Et surtout, notez les dates dans vos agendas. Donc, le 7 juin, il y a un rendez-vous pour une matinale workshop co-organisée avec Deliveray, qui est un de nos partenaires officiels. Par contre, c'est uniquement dédié aux restaurateurs, donc il y a des places très limitées. Ça, vous pouvez voir directement avec Laetitia. Le 1er juillet, nous avons l'Assemblée Générale qui est aux adhérents, suivie d'une garden party ouverte à tous, enfin dans l'air, dans la nature, avec en fait, elle est un peu, on ne sait pas encore exactement où, mais ça risque d'être dans un bois, si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça. Et donc, ce sera. Enfin, il n'y a pas beaucoup de bois autour de Paris. Retrouvailles et networking dans le respect des règles sanitaires, bien sûr. Et 14 septembre pour la réunion de rentrée. Enfin, bon, d'ici là, on aura le temps d'en parler. Donc, merci à tous. Merci Fred. Merci à Jonathan. Attends, il faut qu'on fasse une photo d'équipe, c'est ça? Oui. Je ne sais pas ce qu'on doit faire, la photo d'équipe. Mais alors, comment tu fais ça? C'est le concept de la photo d'équipe digitale. Faites WeCitySex. Attends, mais regarde, oui, tout le monde est là. Ouais. Faites WeCitySex, il faut penser à ça, ça marche très bien ça. WeCitySex. Super, merci à tous, merci. Et à très vite. Et à très vite, merci. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Merci beaucoup. C'est super. On est bon? On est bon.